Est-ce comment ça va, mon chéri? Arendo, Edouard, Alors, je crois qu'il est à la classe. Je crois qu'il a bonsoir, une bonsoir. classe. Creo que está en una clase ahorita y entonces no nos va a contestar. Bonsoir, comment ça va? Ah oui, il est là. Il est là, très bien. Comment ça va? Comment ça va, Ça Mike? va bien, ça va bien, ça va bien. Et toi, Guadalupe, comment ça va? Ça va bien, Ça va bien, ah. ¿y tú? Très bien, ça va bien. Oh, Oh wow, mon Dieu, you. quelle conversation. Vous savez, les élèves m'ont demandé qu'est-ce que c'est, ça va? Oui. Et j'ai dit, bon, ça va sert pour parler et pour demander comment estás, sert à saluer, sert pour savoir si tout va bien, para saber si tout está bien. Et une typique conversation française, c'est ça va? Oui, ça va. Et toi, ça va? Ça va? Oui, ça va. Bon, ça va. Oui, ça va. Única que no sabemos. Ah oui, et ils étaient très, très. Estaban muertos de la risa por mi. Por la conversación de los franceses del Saba, Saba, Saba. Ok, laisse-moi. Ah, ok. Me deja copiar aquí. Vale. Okidoki. Bon, aujourd'hui, nous allons faire une petite lecture, oui. Et vous allez m'aider à lire, d'accord? Ustedes me van a ayudar a leer. Oui. 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 Es más, déjenme lo hago un poquito más grande porque no se va a ver muy pequeñita la letra. Ay, mon Dieu. Ay, mis lentes, no sé dónde los dejé. ¿Pues qué? Mis lentes. Ah. Entendí tus gatos, dije, ¿tus qué? ¿Perdiste los gatos? Perdí mis gatos. Muy bien. Okidoki. Bon. Je vais partager l'écran. Oui. ¿Cómo es que tú dices lentes? Lunette. Ah, Lunette. lunes, Comment lunes. on dit? ¿Cómo se dice? ¿Cómo ¿Cómo dir? Comment on ¿Cómo dit? on dit gato? Ah, no. Chat. Pastel. Chat, no. ¿De qué? Nada. ¿Cómo On on dit dit quoi? nada. No me acordé de algo. Ay, Lupita. ¿De qué? ¿De Mike? No, pero ya que lo mencionas. Vous avez vu qu'on a changé tous les chaises à la cafétéria? Ya veo que ahora las cambiaron todas. Pero si lo ves así, quedamos parejos porque estoy a punto de morir por su culpa. En fin. De rir, de risa? Oui, moi aussi. Estaba tomando Ok. agua, casi me ahogo. Ok, ya. Bon, 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 ça va. Ok. Donc, s'il vous plaît, on va faire la lecture des couleurs. Oui? Et Lupita, est-ce que tu peux commencer à m'aider à lire desde le rouge hasta cerise? Okay. Le rouge, no tanto. Dice, le rouge es incolor vif. Si es le color de nombre, fruits, legumes, comme les tomates, les frases o les cerises. Cerise, jusqu'à là. Ok, Lupita, faites attention à la prononciation. Oui, rappelle-toi que E, bueno, E, U sont E. Ah, ajá. D'accord? Et pour tous les, pour tout l'autre, ça va, tu l'as fait très bien. Oui. Donc, et le rouge est une couleur vive. Il dit une couleur. Pourquoi il dit une et non un ici? Porque es de niña, ¿no? Parce que c'est féminin. Oui, les couleurs en français, bon, couleur, c'est féminin. On dit la couleur. Oui. Ok, très bien. C'est la couleur des nombreux fruits et légumes comme les tomates, les fraises ou les cerises. Oui. Qu'est-ce que c'est les rouges? Rojo. Rojo. Très bien. Mike, est-ce que tu peux lire sur le jaune? Le jaune est la couleur de banane. De maïs, oh, de poison
Par exemple. Ok, continue. Fini. Terminada la frase. La bleu est très présente dans la nature. C'est la couleur du ciel et de la mer. Le rouge, la jaune et le bleu sont les trois couleurs primaires. Première. Première. Oui, très bien. Ok, merci beaucoup. Et le jaune est la couleur des bananes, du maïs ou des puissants. Qu'est-ce que c'est jaune? Amarillo. Ok. Bon, il parle, il met quelques exemples, oui. Les bananes, le maïs et les poussins. Les poussins, c'est le petit animal, le petit, qui font pio. Pio, 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 pio. Oui. Los pollitos. Oui. Ok. Le bleu est présent dans la nature. C'est la couleur du ciel et de la mer. Le rouge, le jaune et le bleu sont les trois couleurs primaires. Qu'est-ce que c'est le bleu? Azul. Oui, mais fais attention parce qu'en anglais, on écrit différente. Oui, à l'autre côté. En anglais, c'est écrit à l'envers. Y'a bien? En anglais, c'est blue. En français, c'est bleu. Bleu. En anglais, c'est bleu. Comme ça. Oui? Et en français, c'est bleu. Comme l'équipe de football de la France. Allez les bleus. Les bleus. Allez les bleus. C'est pour ça qu'on dit les bleus sont los azules. Comme ils sont les bleus. Comme le bleu machine. Azul, oui. Comme se dit machine? Machine. Machine bleue. La machine bleue. Très bien. S'il vous plaît, Lalo, est-ce que tu peux continuer la lecture jusqu'à Abricot, hasta acá, hasta Abricot? Oui, oui. En les mélangeant, on peut former des autres couleurs. Le vert, par exemple, est la couleur de l'herbe et des folies des arbres. L'orange est la couleur de certains fruits bruts. Fruit. Comme l'orange qui porte son nom, la clémentine ou l'abricot. Très bien. Oui, oui, oui. Ça va, très bien. Ok. Qu'est-ce que c'est vert? Bon, vert, c'est facile. Green. Oui, très bien. Et l'orange? L'Oréal. Ah, non. Naranja. Oui, c'est comme en anglais, oui. Ok. Et, il parle de certains fruits, oui, comme l'orange, que c'est qui porte le nom. La clémentine. La clémentine, c'est ma fruit favori. Esa es mi fruta favorita. Qu'est-ce que c'est clémentine? Non, je ne sais pas. C'est une citrique un peu plus douce. C'est plus douce que l'orange. C'est un poquito más dulce que la naranja. Mandarina? Oui, la clémentine. On dit aussi mandarine, oui. Et abricot. L'abricot, oui, c'est comme un pêche, comme un durazno, mais ce n'est pas durazno. Comment on l'appelle en espagnol? Chabacano. Chabacano, oui, c'est ça. Oui? Ok. Lupita, est-ce que tu peux continuer? Le violet? Le violet retrouve de nombreuses, nombreuses fleurs comme les lilas.
LeBron aussi appelle marron et la couleur du café, de la terre et de l'écorce des arbres. Très bien, excellent. Okidoki, muy bien. Qu'est-ce que c'est LeBron? Bon, le violet, c'est facile, oui. LeBron, café. Ah, marron, bon, le brun est café, mais on l'appelle presque toujours marron. Es mucho más, se utiliza más marrón. ¿Oui? Dice, le brun, aussi appelé marrón, es la couleur du café, de la terre y de l'écorce des arbres. ¿Qué piensan que sea écorce? Des arbres. Oh, the, in the tree, no. The, I don't know. L'écorce, c'est la partie du tronc, oui. La partie du tronc, bon, c'est ça qu'on quitte du tronc. Eso que se le quita al árbol, al tronquito. Como su cascarita, me corta la corteza. Très bien. Ok, Mike, est-ce que tu peux finir? Yes. Ah, oui. En fait, on trouve le sol blanc comme la neige et le noir comme la nuit. Entre les deux, il a le gris, c'est le mélange de blanc et de noir. Très bien. Merci beaucoup. C'est facile, oui. Qu'est-ce que c'est blanc? Qu'est-ce que c'est noir? Oui? Yes. OK. Très bien. Bon. Et s'il vous plaît, vous allez copier la lecture, mais en mettant les nombres. Ya lo estaba copiando, Lupita. En mettant les nombres, je savais. En mettant les noms des couleurs aux couleurs. À ces couleurs, par exemple, si je dis les rouges, on va écrire rouge avec rouge. Oui? Si je dis le jaune, je vais écrire jaune avec jaune. Ou le resalto. No lo quiero escribir con amarillo, lo resalto. Les bleus, bon, bleu. Et comme ça, oui? Et après ça, je vais vous donner 6 minutes, 6 minutitos. Après ça, vous allez écrire deux choses différentes à ces lectures. De chaque couleur. Vous allez chercher deux choses de vocabulaire, lesquelles vous voulez, algo que ustedes quieran. Par exemple, rouge. Ici, on parle de la tomate, des fraises et des cerises. Oui? Mm. Peut-être je peux ajouter les lèvres. Puedo agregar los labios. Oui? Oui? Mais vous allez me dire, vous allez chercher deux mots de vocabulaire avec chaque couleur, de cada color. Oui? Yo okay. No sé cuál. ¿Quién sepa cuál? No entendí. Tu n'as pas compris. Ok. Fíjate. On va chercher mots de vocabulaire, dos palabras de vocabulario pour chaque couleur. De cada color. Oui? Oh. Par exemple, jaune, tu peux dire les glorieux et t-shirts de l'Amérique. Non. Qué es amarilla, c'est jaune. Ok, oui. Ok. S'il vous plaît, deux mots et pour vocabulaire de chaque couleur, de cada color. Oui? 6 minutes, ça va? 6 minutes, c'est bien? Ça va. Oui, ok, très bien. Lalo, je vais vous faire un examen et vous allez échouer. Oh mon Dieu. Comment ça dit labios? Lèvres. Et... Lèvres. Oui, oui. Je vais mettre l'accent. Lèvres.
Ay, no me deja. Lo mando al chat, ¿va? Un ejemplo con cada color. Deux de chaque couleur. Dos. No, en tu cuaderno. Ay, lo mandé en el chat de WhatsApp. Me llevé le copié. ¿En WhatsApp? Pero ahorita lo copio. Ah, ya lo como. ¿Ya lo viste? Ya. ¿Cómo le se pronuncia? Leo. Es que no me deja poner acentos en la compu, no sé por qué. Ahí está ya. El Evo. Uy. Lalo, ¿qué es que se pase a ver Marisol, ¿sabá? Marisol, Diana. Diana, no, yo no sepa. Ok. ¿Cómo se escribe cielo? Tomado en escribir, ahí está. Dentro de la lectura, ya no lo puedes poner. Ah. Parce que sé que el bleu, c'est parti. C'est la couleur du ciel. Ajá. Du ciel et de la mer. Ya está cielo y mar. Ok. ¿Oui? Oui. Du ciel et de la mer. Ash. Porque no se me ocurre nada y todo lo que veo son cosas de color. No, que le pongo una bolsa roja. Probablemente. Y había beaucoup de choses rouges. Hay muchas cosas rojas, ¿no? El lèvre. ¿Qué más habría rojo? Ah, rojo ya está. ¿Pom? Pan, ¿no? Pan, se pronuncia pan. Pom, oui, la pom. Ahí está. ¿Cómo se di estrella? Etoile. Etoile. ¿Dónde? Etoile. ¿Va? ¿Dos minutos plus? No. ¿No? ¿Cómo se dice insecto? ¿Cómo on dit insecto? On dit insecto. Insecto. Sí, no insecto. Insecto. Thank you.
Ah, no, me falta una E. One sec. ¿Cómo se dice? Chaval es caballo, ¿verdad? Cheval. ¿Cheval? Cheval. Algo así era. Le cheval. Ok, fíjate. Cheval es caballo singulier. Chevaux. Se le pluriel. Caballos. Mis cheveux. Son cabellos. Ah. Et il doit sonner différent, oui. Chevaux, cheveux. Oh, oui, Dios mío. Ah, je sais. Ok, ok. ¿Y mis chicas que aprendan? Oui, je crois que oui. Ok, ok. Peu à peu. Mais je crois, et Lupita, que tu es très modeste parce que l'autre jour, et Mike et moi, nous étions en train de commenter que tu parles bien, que tu t'es, c'est comme fluidité avec toi, comme que t'es fluye. Tu me dis? Oui, c'est vrai, ¿verdad, Mike? On était en train de parler de ça, estábamos platicando de eso. Oui. Oui, Edil m'a dit que le français pour toi, c'est comme fluide. Ah, es que estaba entre idiomas. ¿Cómo se dit nublado? ¿Cómo on dit nublado, nuage? ¿Cómo on dit, verdad? ¿Cómo on dit? ¿Dónde? On dit nublado. Eso sí nuage. Cuenta con decir, ¿no? Ajá. Nuage. Nuage. ¿Cómo andí ojos? You. You. Mais attention, oui, parce que ojo singulier, on dit oil. Oh. Ay, pero no que sea tuerco, ¿no? Ah, oui, no. Mais c'est différent. Si tu dis me duele el ojo, tu vas dire me duele el ojo. Mon oil, oui, solamente uno, mon oil. Okay. Mis ojos es messieurs. ¿Cómo on dit uvas? Oui. Récent. Récent. Comme pasas en inglés. Récent. Moretón, ¿cómo on dit moretón? C'est pourpre, attendez. On dit pourpre. ¿Pourpre? Pero déjame estar segura. Se dice como morado. Así como cuando alguien se cae, que se pone morado. Oui, oui. Ay, Dios. No, on dit... C'est fini. ¿Tu as fini? Ok. On dit... Como morado, en pourpre. Pourpre ou hématome. Hématome es pourpre. Tome. Tous les deux sont corrects. Hématome, hématome. Ajá, los dos son correctos. Pourpre ou hématome. Ya fini.
Ok, très bien. Mike, comment ça va? Défini. Excellent, très bien. Ok. S'il vous plaît, vous avez fini de copier aussi? También acabaron de copiar. Qué rápido. Sí. Défini. Ok. Lalo, est-ce que tu peux me dire deux choses de couleur orange? Oui, oui. Orange comme la chemise des Pays-Bas. Ah, très bien, oui, excellente. Chemise du Pays-Bas. Mm-hmm. Oui. Très bien. Mm-hmm. Orange comme la chemise des Jaguares de Chiapas. Oh mon Dieu. Ok, très bien. Mike, est-ce que tu peux me dire deux choses marron ou brun, café? Moi, s'il vous plaît, moi. Attendez, Lalo, attendez. Après, Mike. Lemon Tains. Ok. Brun. Aha. Montagne. Les montagnes. Les montagnes. Aha. Montagne. Ok. Les montagnes. Une autre? Sunburn. Brun. Excellente. Une autre? Thomas? Non. That's it. Ah! Moi, s'il vous plaît. A ver, Lalo. Brun comme la merde. Oh mon Dieu, ok. C'est correct. Oui, c'est correct. Bon, ça dépend, mais si tu es malade, quelquefois elle est verte. Mère verte. Oui, quand tu es malade, quand tu es malito, quelquefois il est verte. Non. Okay. Oui, bien sûr. Ou noir, si tu es très malade, ou hasta negro. Mais ils hacen de colores. Oui, il y a beaucoup de couleurs. Oui ou non, Lupita? Blanche. Ok. Lupita, dis-moi deux choses qui soient violet. Violet, racine, hématome. Ok. Récent et hématome. Ok, Mike, dis-moi deux choses qui sont blanches. Ma chemise est blanche. Ok, la chemise de Mike. Aha. Une autre? Mecha source. Ok. Some bank. Ok. Le chaussure de Mike. Yes. Zapatos blancos. Aha. Uh-huh. Zapatos? Oui. Mecha suit de tenis. Ah. Baskets. Les baskets son tenis. Ok. Mon âme. Ahí voy a ponerlo, ¿eh? Mon âme est blanche. Mi alma es blanca. Mi, ajá. No. Yo pensé lo mismo, pero con negra. Noir. Noir. Mi alma es blanca y pura. Ok. Pourquoi il dit, ah, le puse blanche y no blanche. Pourquoi blanche y no blanc, comme dit dans le texte? Féminin, très bien. Oui, les couleurs ont des féminins, mais pas tous, non todos. Par exemple, rouge, jaune, orange et c'est ça, bon, sont indistincts pour féminin ou masculin, oui. Mais vert et bleu, par exemple, même s'ils ne sont pas, on ajoute un E. Verte, on ajoute un E.
Violette. Violette, on ajoute un T et un E. Et brun. Brune, oui. Et blanc, il se transforme pour blanche. Noir, même s'ils ne sont pas, aunque no suene, por ejemplo, noir, on ajoute un E. Et gris, c'est normal, égal pour féminin et masculin, oui. OK. Lalo, dis-moi un exemple des choses gris. Gris, comme les chabots d'un vieil homme. OK, les cheveux. Cheveux d'un vieil homme. D'un vieil homme. D'un vieil homme, oui, oui. Excellent. Une autre chose? Non, c'est tout. C'est tout? OK. Lupita, dis-moi quelque chose qui soit jaune. Sol. Le soleil. Le soleil and the tournesol. Le soleil et le tournesol. Le soleil. Los girasoles, dices? Ajá. Tres turnos. No, tournesol. No, es tournesol. Es tournesol. Okay. Ajá. Mike. Esturnesol, no, esturnesol. Esturnesol, como se llama. Sencilla, Lupita. ¿Eh? Otra cosa, ah, pues mi blusa, mi playera. Ok. Très bien, Mike. Mike, s'il te plaît, des choses qui soient vertes. Le feuillet. Le quoi? Feuillet. Feuille. Uh-huh. Feuille. Mais ici dit feuille, aquí dice mira las hojas. Uh-huh. Les feuillets sont verts. Uh-huh. Très bien. OK. Bueno, je crois que c'est suffisante. 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 OK. Nous avons... Et regardez. Nous avons... la chemise du Pays-Bas. La chemise des jaguares de Chiapas. Bon, jaguar de Chiapas. Les montagnes, la merde, les raisins, hématomes. La chemise de Mike, les chaussures de Mike. Et l'âme de Amy, et l'alma de Amy est blanche. Et que si, les cheveux d'un vieil homme, le soleil et le tournesol et les feuilles. OK, s'il vous plaît, vous allez faire un petit poème, oui, avec tous ces vocabulaires que vous avez choisis. Oui? Vous allez faire un petit poème. Non. Oui. Et je voudrais voir comment est-ce que vous résoudrez ces poèmes. Me gustaría ver cómo lo resuelven. Non, mi hemisferio derecho no sirve. Vous pouvez faire le travail. Mouvez votre écureuil. Qu'est-ce que c'est écureuil? Pongan a trabajar a su. Cerebro. Écureuil. Ahí está, écureuil. ¿Con las palabras que dijiste? Oui. A ver, ¿otras cuáles? Ahí va. Están todas en el chat porque las fui escribiendo, ¿eh? On commence avec la chemise du Pays-Bas, la chemise de jaguares de Chiapas, les montagnes, oui, la merde. Je sais, vous avez dit. Bon, pas toi. Okay. La raisin, les hématomes, la chemise de Mike, les chaussures de Mike, l'âme de Amy, l'alma de Amy, qui est muy blanca, les cheveux d'un vieil homme, le cabello de un hombre, de un viejito, le soleil et le tournesol, les feuilles, nada más, hasta ahí, hasta las hojas. Oui? Oui, Mike? Lalo? Ok.
¿Creamos un texto? Sí. Un poemita. A ver, espérame. ¿Qué? Okay. Un poema. Sí. ¿Cómo la me? La me. Lalo a mí la merde a la conversación. Oui, Lalo? Oui. Et pensez que je vous fais faire un poème, pas une chanson, oui? No los puse a crear una canción y que cantaran. Un poema. Je o mejor sé. Entre todos, ¿no? Que cada quien diga un texto y hacemos un poema. Ok, pues. Me dice el mío. Oui, oui, très bien. La mer es con el de chemis de jaguares de Chiapas. ¿Quién sigue? Mais écris-le. S'il vous plaît, écris-le au chat. Vayan escribiéndolo en el chat. Bueno, sí. Y votre poema. ¿Cómo es que eso? Qué amusant, qué divertido su poema. Et je vais le publier. Además lo voy a publicar. Está. A ver. ¿Cómo se pone? Oh, mon Dieu. Ok. Me la chemise de jaguares de Chiapas es orange, je crois. Bueno, entonces, ¿cómo sentí comparándola? En comparé. Te compara. Le mets te compara con la chemise de jaguares de Chiapas. La chemise de Mike est couleur merde verte. ¿Vas a ver, Mike? ¿Y por qué pura merde? Porque les encantó la palabra. Ok, vas a ver, Mike. Mike. A Lalo no lo veo, pero a ti sí te veo mañana, ¿eh? No sé, hay muchas cosas con merde. Ay, tan chistoso. Vous savez déjà votre poème? Ya lo tienen? Parce que vous allez le réciter, oui? A se pone C, así como conector. C. ¿Cómo un C? ¿Así como un C? No. ¿A qué te refieres con C? Sí, por ejemplo, cuando haces una comparación, por ejemplo, esto C compara, S-E. Ah, igual, C. ¿Sí? Ajá. Il se semble, se parece, o il se compare avec, oui, con. Ah, a ver. Oui, oui, Lalo. A ver, Emma. Mon cœur est noir, ese sí está negro. Ah, yo. Ese sí debo reconocer, il est noir.
Híjole, soy pésima, Amy. O sea, yo no tengo nada de creatividad. Soy cero creatividad. Mais vous allez le faire ensemble, le van a hacer juntos. Ah, cierto. Amy se compare avec les hématomes. Le noix? Le noix, à que te refieres? No, es como si era noche, espérame. Noche. Nuit, ¿no? Nuit, es cierto. Nuit. Bueno, era nuit. Avec les hématomes. Ya ves, dije que estaba bien fácil hacer las listas, ya las acabé. ¿Ya fini? Ya fini. Donc, tu ne me fais pas d'attention, no me estás poniendo atención por hacer las listas. Te estoy poniendo atención. Puedo estar en dos cosas a la vez. ¿Tú has fini tú le listo todas las listas? Ahorita nada más la que me faltaba, nada más me faltaba una. Ok. Uh-huh. Fête des oranges. Fête des oranges douces au citron jaune. Ok, très bien. Oui. ¿Es un citrón, es un limón joven o amarillo? Uh-huh. Ahí dice joven. L'âme de Mike est blanche comme neige. Uy, oui, oui, bien sûr. Oui. C'est fini. Oui, oui. Tu as fini? Uh-huh. Ok. S'il vous plaît, vous allez me dire vos poèmes, oui? Vous allez me le réciter, me le van a réciter. Parce que oui, c'est une chose, écrire c'est une chose, mais parler, le dire, le prononcer, c'est autre, oui? Donc, s'il vous plaît, Lalo, est-ce que tu peux nous dire ta poésie? Oui, oui. Toute la poésie. Mm-hmm. C'est oui. Très longue? C'est très longue? Non. La mer est comme les chemises du Jaguares de Chiapas. La chemise de Mike est couleur mer verte. La mer est comme la chemise jaune de l'Amérique. Les montagnes sont couleur verte et brune. Les hématomes sont violettes comme ton corps rouge. Les noix se comparent avec les hématomes. Faites des oranges douces au citron jaune. L'âme de Mike est blanche comme neige. Ah. Ok, plus ou moins. Je crois que tu as mis l'intonation. Creo que por ahí te faltó la intonación. Ok. Mike? Oui? Est-ce que tu peux dire le même? Oh, oui. Le mer est comme la camille du Jaguar de Chiapas. Le chemise de Mike est comme mer verte. La mer est comme la camille de l'Amérique. Très sympa. Oui, oui. Oui, oui. Keep silence, please. les montagnes sont couleur verte et brune. Les hématomes sont violets comme un tuco rouge. Les noix se comparent avec les hématomes. Faites des oranges de ce citron jaune. Deja de escribir cosas difíciles, Lalo. La mer de Mike est blanche comme la neige. Très bien. Excellent. Lupita, finalement. ¿Cómo se dice con sentimiento? Avec sentiment. ¿Con sentiment? Avec sentiment, oui. A ver dónde estaba. Le chemise de Mike est le color mer verte. Ah, no sé si antes, ¿verdad? Sí.
Le mec es como le chemi de jaguares de Chiapas. Le chemi de Mike es color mer verde. Mer es como le chemi y aún de la América. Muy chistosa, Lupita. Ah, il le montan son color verde en brun. Le matom son violet con tu cor rouge. Le no hace con no le no no verdad la nuit. La nuit se compare. ¿Ça va? Se nos fue. Se nos fue Lupita. Oui. Je crois que là, il y a des problèmes. Ok. Bon. Fíjense bien. Je vais vous laisser, oui, faire les poèmes, mais mieux. Vous devez améliorer votre poème. Oui. D'ici au jeudi. D'aquí a jueves. Oui. En utilisant les couleurs. Ces couleurs que nous avons vues. Pas toutes les phrases que vous avez dites, mais oui, les couleurs, pero con los colores. D'accord? Mm-hmm. Oui, Lalo? Oui, oui. Ok. Peut-être on fera une activité de... Je ne crois pas que de Kahoot. Je crois que je vais chercher un autre jeu, un autre juego, et pour faire une révision des couleurs et des verbes réguliers. Oui? Oui, oui. Ok. Bon, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez partir. Livre comme le vent. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, mes chéris. Au revoir.